le monde, je crois pas. Il a déploré. Présenté Sabre. Madame, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Messieurs les députés et sénateurs, Messieurs les représentants des hautes autorités judiciaires, Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes, Monsieur le Grand Chancelier de la Légion d'honneur, Monsieur le Chancelier de l'Ordre de la Libération, Monsieur le Chef d'État-Major des Armées, Monsieur le Préfet de la région Île-de-France, Mesdames, Messieurs, mes chers confrères, la traditionnelle séance de rentrée des cinq académies, fixée par la constitution du 5 Fructidor en 3, au plus proche mardi, du mardi du 25 octobre, date de la création de l'Institut de France par la Convention, revêt cette année un caractère un peu particulier. Tout d'abord, nous célébrons en 2005 le bicentenaire de l'installation de l'Institut dans l'ancien Collège des Quatre Nations, fondé grâce aux libéralités confiées par le cardinal Mazarin au roi Louis XIV. Par ailleurs, nous avons voulu rendre un hommage à M. Pierre Messmer, membre de l'Académie française et de l'Académie des sciences morales et politiques, qui a décidé de quitter la chancellerie de l'Institut. Nous lui devons tous beaucoup. Cette séance solennelle lui est dédiée. Le thème même retenu par les orateurs des différentes académies, le courage en témoigne. Permettez-moi, à titre personnel, mais je ne doute pas de me faire l'écho de nos pensées à tous, quelques mots à l'intention de Madame Pierre Messmer, dont nous apprécions la gentillesse rayonnante, la générosité, l'humour et l'élégance si française. Au long de cette séance, nous accompagnerons la garde républicaine, la Légion étrangère, ainsi que grâce au concours de la Fondation Le Fort Beaumont, les trompes du Conservatoire des musiques de chasse Hubert Heinrich, le chancelier de l'Institut ayant en charge la gestion de près de 10 000 hectares de bois,
et forêts qui résonnent depuis toujours des aboiements des meutes et des sonneries des piquets. Avant de donner la parole à mes confrères délégués des cinq académies, j'ai le triste devoir de rappeler la mémoire de tous nos confrères disparus depuis la dernière rentrée solennelle, celle du mardi 26 octobre 2004. Nous avons perdu, à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, Serge Lancel, parmi les associés étrangers, Astrid Gabriel, Georges Rédard, parmi les correspondants, Pierre Bonacier. À l'Académie des sciences, Hubert Curien, Alexandre Favre, parmi les associés étrangers, Xingchen Chern, Gérard Debreu, Ernst Mayr, Yasutomi Nishizuka, parmi les correspondants, André Rassa. À l'Académie des beaux-arts, parmi les associés étrangers, Kenzo Tange, parmi les correspondants, Jean Roré. À l'Académie des sciences morales et politiques, Jean Cazeneuve et Jean-Marc Varreau. En leur honneur, nous entendrons la lecture du poème du capitaine de Borelli à mes hommes qui sont morts. Mes compagnons, c'est moi, mes bons gens de guerre, c'est votre chef d'hier qui vient parler ici, de ceux qu'on ne sait pas ou que l'on ne sait guère. Mes morts, je vous salue et je vous dis merci. Il serait temps qu'en France, on se prît de vergogne à connaître aussi mal la vieille Légion, de qui, pour l'avoir vue à sa rude besogne, j'ai le très grand amour et la religion. Soldats qui reposaient sous la terre lointaine et dont le sang versé me laisse de remords, dites-vous simplement, c'est notre capitaine qui se souvient de nous et qui compte ses morts. Le courage, tel est donc le thème retenu par l'Assemblée générale de l'Institut. La manifestation du courage peut s'exprimer dans toutes les activités de l'homme, courage intellectuel et scientifique. J'évoquerai très brièvement ces hautes figures de la Renaissance, Copernic, Kepler et Galilée, affirmant l'héliocentrisme en bravant ainsi les redoutables interdits de leur époque. Courage de l'artiste, Hector Berlioz, souvent moqué et décrié en France, mais poursuivant son chemin avec l'obstination féconde du créateur. Claude Monet et les impressionnistes, brocardés, raillés par la critique, le public et, faut-il l'avouer, l'Académie. Mais ces temps sont lointains et totalement dépassés. Claude Monet et les impressionnistes ont donné à la France une école de peinture à la hauteur de celle de la Renaissance italienne. Courage politique, enfin, le plus rare peut-être. Pour s'en tenir au temps moderne, j'évoquerai Émile Zola, Alexandre Solzhenitsyn et ce grand politique visionnaire au plus fort de la tempête, le général de Gaulle. Les définitions du courage sont multiples. J'en affectionne deux plus particulièrement. Celle de Sénèque, qui voulait que le courage soit la science de distinguer ce qui est mal de ce qui ne l'est pas. Enfin, la définition la plus simple, mais la plus exhaustive peut-être, celle du grand dictionnaire Larousse. Courage, fermeté, force de caractère et force morale qui permet d'affronter les dangers, la souffrance, les revers et l'adversité dans les temps difficiles. Et sans plus tarder, je donne la parole
à M. Renaud Denoy de Saint-Marc, vice-président du Conseil d'État, délégué de l'Académie des sciences morales et politiques, pour la lecture de son discours intitulé « Le courage de l'homme d'État ». Merci. Le courage. Est-ce un sujet d'actualité en une époque où, du moins dans nos sociétés développées, la quiétude, le bien-être, la recherche du bonheur individuel semblent le souci dominant de nos contemporains. En particulier, le courage chez l'homme d'État est-il toujours une vertu, alors que les gouvernants semblent chercher à deviner les lignes de plus grande pente de l'opinion publique pour répondre aux aspirations de celle-ci, plutôt qu'à désigner des objectifs à atteindre au prix de rudes efforts collectifs. En raison même de ce constat, le courage mérite qu'on en médite. Le courage vient du cœur, qui est lui-même le lieu à la fois de la sensibilité et de la décision. Chez l'individu, on connaît le courage physique, la bravoure, mais aussi le courage intellectuel, le courage moral. Il existe aussi un courage du groupe, celui d'une cité, d'un peuple, d'une nation, entretenu par les gouvernants, pourvu qu'ils s'attachent à en exalter la fierté, car la fierté nationale nourrit le courage, comme de leur côté, les manifestations de courage stimulent la fierté nationale. Le courage est une vertu. La langue latine suggère même qu'il est la vertu cardinale. Pour Vladimir Jankélévitch, initiative et dénouement à la fois, le courage et la vertu réussissent entre toutes. Ou mieux, il est l'élément du triomphe individuel qui est en chaque vertu, ce qui rend les autres vertus efficaces et opérantes, et peut-être après tout est-il moins une vertu lui-même que la condition de réalisation des autres vertus, sincérité, justice ou modestie, elles commencent toutes par ce seuil de la décision inaugurale. Cette vertu se manifeste par une réaction à un événement, à une situation. Le courage n'est pas un état latent et on ne se réveille pas courageux sans raison un beau matin. Il n'y a de courage que face à un risque, un danger, une épreuve, révélée ou attendue. La vraie épreuve du courage n'est que dans le danger que l'on touche du doigt, selon la morale que Jean de La Fontaine tire de la fable « Le lion et le chasseur ». C'est aussi, selon André Malraux, le refus, l'opposition, le non d'Antigone, celui de Jeanne d'Arc, celui de la résistance. Le courage peut être une capacité innée, mais cette vertu peut en partie s'acquérir par l'éducation et par l'expérience. Monterland feignait de trouver facile l'apprentissage du courage, affaire de volonté pour le courage moral, affaire d'hygiène pour le courage physique. Mais nul n'est forcé de le croire. Cependant, l'exemple d'autrui et l'éducation, l'expérience personnelle peuvent exercer le courage. Au XVIIe siècle, le théâtre de Corneille était fait pour saisir et pour entraîner des personnages hors du commun, aux comportements inaccessibles, étaient placés dans des situations invraisemblables où le courage triomphant était honoré. Ces personnages étaient destinés à susciter l'admiration. La tragédie cornélienne enseignait la grandeur de l'homme. Enfin, l'épreuve affrontée, l'épreuve surmontée, est source d'un enrichissement de la personnalité. À propos de l'amiral de Coligny, Montesquieu disait que les difficultés lui donnaient des lumières et les périls de la fermeté.
Réagir au danger, à la douleur, à l'adversité, c'est manifester sa volonté d'avoir prise sur le cours des choses. C'est démontrer que l'homme peut infléchir le destin par la vertu, pour autant que sa volonté s'applique aux choses qui dépendent de lui, comme nous l'enseignaient les stoïciens. À l'homme d'État, il incombe donc de faire preuve de courage. Et c'est bien le moins qu'on puisse exiger de lui. Le courage de la sincérité et de la vérité, tout d'abord. C'est aujourd'hui méritoire, puisque les fluctuations de l'opinion, sans cesse mesurées et évaluées par des sondages, incitent les gouvernants à tenir aux citoyens le langage que, selon ces sondages, ces derniers semblent avoir envie d'entendre, plutôt que celui que ces mêmes gouvernants croient juste et vrai. Le courage de la constance, en deuxième lieu. Aucun gouvernement ne répond aux espoirs de l'ensemble des citoyens, parce que les attentes des citoyens ne sont pas unanimes. La médiatisation croissante de la vie politique grossit à plaisir ce qui va mal et ce qui divise, souligne les inévitables erreurs et les décisions maladroites. Elle nourrit les mécontentements. À l'homme d'État de maintenir, malgré la polémique et les attaques, le cap qu'il s'est tracé et poursuivre les objectifs qu'il s'est assignés. Le courage de la morale, enfin, et peut-être surtout. La critique de la politique, le discrédit qui atteint une grande partie du personnel et des partis politiques, relève d'une crise de confiance, elle-même parfois fondée sur les accommodements financiers dont certains d'entre eux ont cru pouvoir user pour mener leur action. En ces domaines au moins, les citoyens attendent des hommes politiques un exemplaire courage. Mais cet espoir n'est-il pas illusoire ? La civilisation, le confort matériel, n'affaiblissent-ils pas le courage chez l'individu et dans la société, au point de lui faire perdre sa valeur de référence ? Dans un discours prononcé en 1978 devant les étudiants de l'université d'Harvard, Alexandre Solzhenitsyn déclarait ne pas pouvoir recommander la société occidentale comme idéal en vue de transformer la société soviétique. Il se livrait à une critique du monde de l'Ouest centrée sur le thème du déclin du courage. Il y a bien, disait-il, du courage chez les individus, mais ce ne sont pas ces gens-là qui donnent sa direction à la vie de la société. Il ajoutait, le déclin du courage est peut-être ce qui frappe le plus un regard étranger dans l'Occident d'aujourd'hui. Le courage civique a déserté non seulement le monde occidental dans son ensemble, mais même chacun des pays qui le composent, chacun de ses gouvernements, chacun de ses partis. Ce déclin du courage est particulièrement sensible dans la couche des dirigeants et dans la couche intellectuelle dominante, d'où l'impression que le courage a déserté la société tout entière. C'est au progrès technique, générateur de confort, au culte du bien-être terrestre et à l'excès des garanties juridiques que Solzhenitsyn imputait cette évolution critiquable. Et ses propos méritent, me semble-t-il, qu'on s'y arrête. Songeant en particulier à notre pays, ne doit-on pas relever que nos compatriotes demandent à être prémunis contre tous les dangers et garantis contre les dommages qui peuvent résulter de la survenance de ceux-ci ? On ne compte plus de nos jours les cas où la loi oblige à s'assurer contre les risques de la vie en société, ni les régimes de garantie pure et simple au profit des victimes, fondés sur les seuls liens d'une solidarité établie par l'effet de la loi. L'État lui-même garantit la réparation de dommages résultant de risques totalement étrangers
à l'action des pouvoirs publics, comme les catastrophes naturelles ou les calamités agricoles. Depuis l'entrée en vigueur de la Charte de l'environnement, les autorités publiques doivent veiller à prendre les mesures nécessaires à éviter le risque de dommages pouvant affecter l'environnement de manière grave et irréversible. On aura reconnu là l'intrusion du principe de précaution dans notre droit constitutionnel. Voilà donc des obligations nouvelles pour les collectivités publiques, au premier chef pour l'État, prévoir et apprécier les risques possibles, définir le niveau de protection à établir, déterminer les sujétions à respecter et, le cas échéant, les activités à interdire. Mais l'État ne saurait être l'assureur de tous les risques auxquels la population est exposée. Non seulement le coût pour la collectivité en serait écrasant, mais encore est-il nécessaire que les auteurs potentiels de dommages, comme les victimes éventuelles, conservent le sens de leur responsabilité dans la prévention, la survenance et la réparation des dommages. De même, le devoir de précaution ne doit pas conduire à l'inaction, au renoncement, voire à la lâcheté, par une appréciation craintive des risques que l'action peut engendrer. Et c'est bien en raison de cette tendance de la société moderne à ne pas vouloir courir de risques ou à demander à la collectivité d'en garantir les conséquences éventuelles qu'il faut aujourd'hui réveiller le courage individuel et collectif et promouvoir une société de responsabilité qui, assumant les risques de l'action, doit être une société de courage. Et c'est l'ambition dont l'homme d'État d'aujourd'hui devrait se sentir investi, avoir le courage de réhabiliter le courage dans notre société. Je remercie M. Denois de Saint-Marc. La parole est à M. Jean Cardeau, sculpteur, délégué de l'Académie des Beaux-Arts pour son discours « L'artiste devant le courage ». Mes chers confrères de l'Institut m'ont assigné la tâche de parler du courage. Plus que du courage de l'artiste, mais plutôt de l'artiste devant le courage. En fait, ils m'ont demandé de parler de moi face à la sculpture du général de Gaulle, de Sir Winston Churchill, et de Pierre Messmer. Alors que me paraissait accompli l'essentiel de mon œuvre monumentale, dominée par la représentation de formes non figuratives, survient une première commande. On me demande de statuer Churchill et de revenir à la statuaire en cette fin de XXe siècle comme au bon vieux temps de l'Académie. Il paraît que j'y réussis assez bien. On me commanda de Gaulle, puis l'Institut me fit l'honneur de me demander d'immortaliser dans le bronze notre chancelier Pierre Messmer, ce qui me vaut aujourd'hui de devoir disserter sur la représentation du courage dans la sculpture. J'avais affiché dans mon atelier de l'École des Beaux-Arts, à l'attention de mes élèves, cette phrase de Marcel Proust qui agaçait, paraît-il, Derrida. Une œuvre sur laquelle on met des théories, c'est comme un cadeau sur lequel on a laissé le prix. C'est vous dire combien la tâche que m'impose à cet instant mes devoirs d'académicien me fait violence. Notre époque confond trop souvent l'art et le discours sur l'art. Je le déplore. Mon discours, c'est ma sculpture. Et il m'est très difficile de m'exprimer autrement. Mes confrères m'interrogent. Comment ai-je appréhendé la statue de Gaulle, celle de Churchill et le portrait de Pierre Messmer dans lesquels il voit l'image du courage? C'est sans doute que le nom de ces grands hommes évoque à lui seul cette vertu. Il suffirait donc de les faire ressemblants et la tâche du sculpteur s'en trouverait singulièrement simplifiée. Mais ce n'est pas aussi simple. Le visage de Pierre Messmer exprime le calme, la sagesse et la sérénité,
Comment imaginer, en fixant ses traits dans la glaise, les exploits de ce héros au profil de sénateur romain ? Je crois bien que les dangers qu'il a affrontés de Birakem au Tonkin lui ont été plus naturels que les longues séances de pause, le contraignant à l'inaction auquel il s'est astreint avec tant de gentillesse. Je faisais celui qui ne veut pas comprendre lorsque Pierre Messmer me disait, mi-admiratif, mi-interrogateur, « Ça vient bien !» Jusqu'au jour où je lui annonçais la fin de son calvaire et où il avouait par un large sourire son soulagement. Et je me demande s'il ne faudrait pas parler aussi du courage du modèle. Pour concevoir leur statut, j'ai vécu plus de 2 ans avec Churchill et autant avec De Gaulle. De Churchill, la reine d'Angleterre a dit faisant son éloge funèbre. La survivance de notre pays sera un monument perpétuel à la mémoire de ses dons de chef et de son indomptable courage. Sur le plan monumental, je ne pouvais faire mieux ni plus perpétuel que l'Angleterre. Churchill a, pardonnez-moi l'expression, une gueule. Lorsqu'il avance, il semble que rien ne pourra l'arrêter. Pour un sculpteur, c'est un régal. Et pourtant, comme la conception fut difficile, l'un de ses familiers m'a dit, lors de l'inauguration, que sa statue ressemblait à l'allure qu'il avait lorsqu'il sortait d'un de ses orageux entretiens avec le général. Je ne pouvais espérer un plus beau compliment. De Gaulle, c'était différent, plus intériorisé, en apparence plus subtil. J'ai revu de nombreuses fois en film la descente des Champs-Élysées le 26 août 1944. La seule journée qui mérita d'être vécue, écrivit-il à Michel Droit. À quoi pense-t-il ? Il n'exprime aucun geste de triomphe, à peine un sourire. Ses pas semblent effleurer les pavés de Paris. Son regard survole la multitude et dans la foule immense, De Gaulle paraît seul. En cherchant, comme disait Proust, à mettre des théories sur mon œuvre, je lis ces mots de Vladimir Yankelevitch. Il y a toujours un élément de solitude dans le courage et toujours plus de courage à rester seul, quand ce ne serait que parce que le courage est de faire. Si De Gaulle est l'image du courage ce jour-là, ce n'est pas le courage du combattant. C'est le courage de l'homme qui se s'est investi d'un destin national et qui a conscience que tout reste à faire. C'est ainsi que je l'ai senti et que j'ai voulu le représenter. Courage de faire, courage de remettre en cause l'œuvre jusqu'à ce que l'on croit l'œuvre achevée. Ou simplement, courage physique du sculpteur. Giorgio Vasari raconte qu'il y avait à Florence un énorme bloc de marbre. Un colosse informe avec un trou entre les jambes et tout mal bâti et estropié, abandonné depuis la mort de Donatello et que personne n'osa toucher pendant 40 ans. Et puis vint un jeune homme au visage d'ange qui osa. Il entoura complètement le marbre de maçonnerie et de planches et y travaillant sans cesse, sans que personne ne puisse le voir, il amena son œuvre à sa dernière perfection. Et Vasari raconte que Michel-Ange brûla ses esquisses pour que personne ne voie la peine qu'il avait prise et toutes les tentatives qu'il avait faites pour n'apparaître que parfait. Et ce bloc de marbre, tout mal bâti, estropié, conçu dans la peine, ce fut David. J'appartiens à cette génération, cher Maurice Druon, qui eut à apprendre un chant de guerre et de paix. Un chant qui résonne encore à mes oreilles, un chant de ferveur et de courage. Ce chant des partisans aux accents si mélancoliques. Ce chant qui nous rappelle l'engagement des artistes dans tous les combats pour l'humanité, jusqu'à la prison, au martyr ou au suicide. Federico Garcia Lorca, pauvre martyr fusillé, et tous ceux qui ne peuvent survivre au triomphe de la barbarie, de Stefan Zweig à Miguel de Unamuno. Je pense à ces mots de Clarice Lispector.
L'acte créateur est une douleur. Il faut un courage fou, effarant. C'est du courage que j'ai besoin. Et l'acte créateur est dangereux. Vous pouvez être amené là d'où il n'est pas certain que vous puissiez revenir. Courage de Cézanne, courage de Beethoven, courage de Mozart. Ils sont nombreux ceux que la création a menés jusqu'au point de non-retour. De Vincent Van Gogh à Yves Klein et tous ceux dont le nom est tombé dans l'oubli. Je n'ai pas la force de terminer mes peintures, écrit Nicolas de Staël. Ce fut sa dernière lettre. Selon Claude Allègre, la première qualité d'un créateur, c'est le courage. Le courage d'affronter le scepticisme, le conformisme et finalement le doute et la jalousie. Vous dire qu'il m'a fallu du courage pour accepter ces commandes serait mentir. Voir son œuvre installée sur l'un des plus prestigieux emplacements qu'il puisse rêver, quel sculpteur ne serait pas tenté par un tel défi ? Des commandes comme celle-là ne se refusent pas. Mais aujourd'hui, à côté du politiquement correct, il y a l'artistiquement correct. À cette morale du conformisme ambiant, qui n'est jamais que le prolongement moderne de tous les obscurantismes, qui légitime toutes les censures, se superpose une esthétique exclusive, intolérante, négationniste. Comment ne pas avoir envie de la bousculer ? Affirmer la richesse et la merveilleuse diversité de l'expression artistique. Montrer que nul ne détient la vérité, que l'acte de création est un acte de liberté, que non, la peinture n'est pas morte, que non, la sculpture n'est pas morte. Accepter les contraintes de la commande en ayant le courage d'être soi-même. Accepter la fonction sociale du métier de sculpteur. Prendre le risque d'être aussi artistiquement incorrect. Revenir à la figure. J'aime le métier de sculpteur. Après les longs mois de recherche solitaire, de dialogue avec le modèle, si je vous disais qu'il m'est arrivé de me réveiller la nuit en conversation avec De Gaulle. Après beaucoup de doutes et de tâtonnements, surviennent les moments d'intense activité, de plaisir presque sensuel, si intense que l'on en perd la notion du temps. Alors, la main anticipe l'idée et l'œuvre apparaît dans sa forme définitive, parfois en quelques heures. C'est ce qui m'est arrivé pour Churchill, dont le modèle est né en une matinée après les longs mois de la maladie de Cardita où rien ne pouvait se faire. Et commence le travail monumental. Depuis Michel-Ange, rien n'a beaucoup changé. Il y faut de la sueur et de la peine. Contrairement à ce que l'on pense, il ne suffit pas d'agrandir une maquette pour en faire un monument. C'est une recréation, mais cette fois se met en place tout un travail d'équipe passionnant avec les assistants et le fondeur. Et l'alchimie de la fonte y ajoute un mystère, et jusqu'au démoulage, l'angoisse demeure. Le travail du créateur est une douleur, il y faut du courage, mais j'avoue que j'y ai trouvé bien du plaisir. Merci. Je donne la parole au professeur François Jacob, prix Nobel de médecine, compagnon de la Libération, délégué de l'Académie des sciences pour la lecture de son discours intitulé « Le courage du chercheur ». Au début du XXe siècle, pour analyser l'hérédité, Morgan et ses collaborateurs ont choisi la mouche drosophile pour sa petite taille et sa vitesse de reproduction. Elle leur a permis de résoudre le problème de la transmission des caractères. Au milieu du siècle, il s'agissait de préciser la nature chimique de l'hérédité. Pour cela, les biologistes moléculaires ont choisi de s'adresser aux bactéries et aux virus qui seuls se prêtaient à de telles études. Mais à la fin des années 60, il était clair que le centre de gravité de la biologie était en train de se déplacer une nouvelle fois. L'étude
des bactéries et des virus, même si elle avait encore beaucoup à nous apprendre, elle est passée peu à peu au deuxième plan. Si l'on ne voulait pas piétiner et ressasser les mêmes questions, il fallait avoir le courage d'abandonner vieilles recherches et vieux matériels pour se tourner vers des problèmes nouveaux qu'on ne pouvait étudier que sur des organismes multicellulaires. Le mot « courage » n'est pas alors trop fort. La fréquentation quotidienne pendant des années d'un organisme, si humble soit-il, finit par créer des liens. Elle entraîne une véritable familiarité avec lui, on pourrait presque dire de la tendresse à son égard. En 15 années de fréquentation d'un certain colibacille, on avait accumulé dans notre laboratoire des centaines de mutants chez lesquels l'une ou l'autre des fonctions cellulaires était lésée. Abandonner tout ce que pouvait promettre un tel matériel, renoncer à cette sorte d'intimité que donne la connaissance d'innombrables petites recettes non écrites du folklore expérimental qui entoure ce travail avec cet organisme, repartir de zéro avec un autre matériel, un matériel inconnu, dont il fallait découvrir toutes les idiosyncrasies, c'était là un sacrifice considérable, un peu comme quitter un être cher. Mais c'était en même temps un projet exaltant, c'était entrer dans un monde inconnu, c'était commencer une vie nouvelle, c'était rajeunir. Il fallait une bonne dose de courage pour accomplir un tel changement, mais celui-ci avait de fortes chances de rapporter gros. Une fois admise, une fois enseignée, la science est froide. Froide comme les techniques qui en découlent, froide comme les manuels qui en décrivent le contenu ou les livres qui en rapportent l'histoire. La plupart du temps, les scientifiques décrivent leur activité sous forme d'une suite bien ordonnée de concepts et d'expériences qui s'enchaînent dans un ordre strictement codifié. Dans les articles scientifiques, la raison avance le long d'une voie royale, mêlant l'obscurité à la lumière. Pas la moindre erreur, pas le moindre faux jugement, pas de confusion, rien qu'un raisonnement parfait, sans la moindre faille. La science, en fait, a deux aspects, ce qu'on pourrait appeler science de jour et science de nuit. La science de jour met en jeu des raisonnements qui s'articulent comme des engrenages, des résultats qui ont la force de la certitude. On en admire la majestueuse ordonnance comme celle d'un tableau de Vinci ou d'une fugue de Bach. On s'y promène comme dans un jardin à la française. Consciente de sa démarche, fière de son passé, sûre de son avenir, la science de jour avance dans la lumière et la gloire. La science de nuit, au contraire, erre à l'aveugle. Elle hésite, trébuche, recule, transpire, se réveille en sursaut. Doutant de tout, elle se cherche, s'interroge, se reprend sans cesse. C'est une sorte d'atelier du possible où s'élabore ce qui deviendra le matériau de la science, où les hypothèses restent sous forme de pressentiments vagues, de sensations brumeuses, où les phénomènes ne sont encore qu'événements solitaires sans lien entre eux, où les projets d'expérience ont à peine pris corps, où la pensée chemine à travers des voies sinueuses, des ruelles tortueuses, le plus souvent sans issue. À la merci du hasard, l'esprit chemine dans un labyrinthe, sous un déluge de messages, en quête d'un signe, d'un clin d'œil, d'un rapprochement imprévu. Comme un prisonnier dans sa cellule, il tourne en rond, cherche une issue, une lueur. Sans s'arrêter, il passe de l'espoir à la déconvenue, de l'exaltation à la mélancolie. Rien ne permet de dire que la science de nuit passera jamais au stade de science de jour, que le prisonnier sortira de l'ombre. Si cela survient, c'est de manière fortuite, comme un caprice, à l'improviste, comme une génération spontanée, n'importe où, n'importe quand, comme la foudre. Ce qui guide l'esprit alors, ce n'est pas la logique, c'est l'instinct, l'intuition, c'est le besoin d'y voir clair, c'est l'acharnement à vivre, c'est le courage. Dans l'interminable dialogue intérieur, parmi les innombrables suppositions, rapprochements, combinaisons, associations qui sans cesse traversent l'esprit, un trait de feu parfois déchire l'obscurité, éclaire soudain le paysage d'une lumière aveuglante, terrifiante, plus forte que mille soleils. Après le premier choc,
commence un dur combat avec les habitudes de pensée, un conflit avec l'univers de concepts qui règle nos raisonnements. Rien encore n'autorise à dire si l'hypothèse nouvelle dépassera sa forme première d'ébauche grossière pour s'affiner, se perfectionner, si elle soutiendra l'épreuve de la logique, si elle sera admise dans la science de jour. Lorsqu'il en vient à écrire un article pour publier le résultat de son travail, le scientifique, consciemment ou non, oublie la science de nuit pour ne plus parler que de science de jour. Il s'agit de mettre en ordre une masse de données récoltées au fil des mois et des années, de leur donner une forme qui deviendra alors le compte-rendu officiel de la recherche, une histoire possédant assez de force et de persuasion pour convaincre les collègues, pour les pousser à adopter votre point de vue et même pour éclairer leur propre recherche. Étrange exercice en vérité, la science, c'est avant tout un monde d'idées en mouvement. Écrire pour rendre compte d'une recherche, c'est immobiliser ses idées, les figer, comme si on dépeignait une course de chevaux par un instantané. C'est aussi transformer la nature même de cette recherche, la formaliser, remplacer par un défilé bien ordonné de concepts et d'expériences, un fouillis d'efforts désordonnés, de tentatives nées d'un acharnement à voir plus clair, mais aussi de visions, de rêves, de rapprochements imprévus, de simplifications souvent enfantines, de coups de sonde au petit bonheur dans toutes les directions, sans bien savoir où l'on va déboucher. Bref, le désordre et l'agitation qui animent la vie d'un laboratoire. Pourtant, à mesure que la partie s'avance, comment ne pas chercher à s'avouer quelles ont été la part du hasard et celle de l'inspiration ? Afin que soit accepté un travail et admise une nouvelle façon de penser, il faut épurer la recherche de toute scorie affective ou irrationnelle, avoir le courage de la débarrasser de tout relent personnel, de toute odeur humaine, parcourir la voie royale qui mène d'une jeunesse balbutiante à une maturité épanouie, remplacer l'ordre réel des événements, des découvertes, par ce qui apparaît comme l'ordre logique, celui qui aurait dû être suivi si au début la conclusion avait été connue. Il y a un rite dans la manière de présenter les résultats scientifiques, un peu comme si l'on décrivait l'histoire d'une guerre d'après les seuls communiqués d'état-major. De même qu'en littérature ou en peinture, il y a un style en science, pas seulement une manière de regarder le monde, mais aussi de l'interroger, une façon d'agir à l'égard de la nature et d'en parler, de concocter des expériences, de les réaliser, d'en extraire des conclusions, de formuler des théories, de les mettre en forme pour en tirer une histoire à raconter ou à écrire. Prenons Pasteur, par exemple. Il y avait quelque chose d'exceptionnel dans son style, quelque chose d'irrésistible, de conquérant, avec un côté charge de cavalerie qu'il conduisait à sauter d'un domaine à un autre, à passer de la chimie à la cristallographie, puis à l'étude du monde vivant dans son aspect le moins connu, à voltiger sans hésitation des maladies de la levure à celles de l'homme, avec une sûreté dans la stratégie, dans la capacité de déduire d'une théorie les applications, ou au contraire, à extraire du problème le plus concret les applications les plus théoriques, avec des intuitions stupéfiantes, des généralisations d'une audace insensée. Un incroyable chemin à partir de l'asymétrie des cristaux de tartrate et de la cristallographie avait conduit Pasteur par de petits bonds successifs à travers la bière, le vin, les vers à soie, les poules, les moutons, jusqu'à la vaccination de l'homme contre la rage. Ainsi s'était créé un domaine de la biologie et de la médecine entièrement nouveau. Où installer ce faisceau de disciplines nouvelles ? Après s'être entouré d'une pléiade de chercheurs animés d'une même passion, il réussit à installer ses collaborateurs dans leurs meubles pour poursuivre la tâche entreprise et créa son institut. Car attacher l'Institut Pasteur aux facultés de médecine était impensable. Beaucoup de médecins et de chirurgiens étaient hostiles à Pasteur et combattaient ses idées, d'où une structure nouvelle entièrement due à la générosité publique de la France et de l'étranger. Très vite, Pasteur devait étendre outre-mer son rayon d'action. Il dépêcha en Extrême-Orient l'un de ses premiers élèves, Albert Calmette, pour lutter contre la rage et la variole. À Saïgon,
Calmette avait installé un laboratoire, le premier institut Pasteur d'outre-mer, pour y préparer ses vaccins. La filiale de Saïgon n'était que la première étoile d'une constellation d'instituts d'outre-mer. De Tahiti à Cayenne, en passant par l'Asie du Sud, le continent africain, le pourtour de la Méditerranée, une chaîne d'instituts Pasteur a donné aux pasteuriens un accès direct à l'étude des maladies tropicales. Avec Yersin, par exemple, ce jeune Suisse qui avait travaillé avec Roux sur la diphtérie s'engage comme médecin sur un bateau et explore l'Indochine quand éclate une épidémie de peste qui envahit Chine et Indochine. Envoyé là par le gouvernement français, il s'installe à Hong Kong dans des conditions très difficiles. Il n'hésite pas à travailler dans une case en bambou recouverte de paille. Là, il triomphe de son rival japonais et isole le microbe de la peste. Revenu en France, Yersin prépare un sérum de cheval antipesteux qui protège les animaux. Reparti en Chine, il réalise les premiers essais sur l'homme, sur un jeune Chinois déjà fiévreux, prosté, profondément atteint. Yersin commence ses injections. En quelques jours, c'est le miracle. La fièvre tombe, le malade guérit. Énoncer les travaux de Pasteur, c'est lire une série de bulletins de victoire. Il y avait un côté militaire dans cet homme-là, un côté stratège. Il y avait du Napoléon dans la manière de toujours prendre l'initiative, de changer brusquement de terrain, d'apparaître là où on ne l'attendait pas, de concentrer soudain ses forces dans un secteur étroit jusqu'à la rupture, d'exploiter le succès, d'en tirer les conséquences et même de faire sa propre publicité ou de contraindre les autres à se plier à ses propres vues. Comme celui de Napoléon, l'art de Pasteur consistait à toujours livrer bataille au moment choisi, à l'endroit choisi, sur son terrain. Et son terrain, c'était le laboratoire, ses armes, les expériences, les protocoles, les fioles de culture. Quel que fût le domaine nouveau où il entrait, qu'il s'intéressât aux vignes ou aux vers à soie, au choléra des poules ou à la rage, Pasteur cherchait chaque fois à transformer le problème, à le traduire en d'autres termes, à le rendre accessible à l'expérimentation. Aujourd'hui, on ne procède pas différemment. Toute l'activité des biologistes tend à reformuler les problèmes les plus variés en questions accessibles au laboratoire. Tous leurs efforts visent à poser des questions. À quoi peut répondre l'expérience? C'est de Pasteur, de cette stratégie que date la médecine moderne et ce qu'on appelle désormais la santé publique. Les chercheurs qui poursuivent aujourd'hui des travaux à leur risque et péril sur les agents pathogènes de la fièvre Ebola, du SRAS, de la grippe aviaire, suivent la voie courageuse ouverte par Pasteur et ses disciples Calmette et Yersin. Sans le courage physique et moral de Pasteur et de ses disciples, on eût certes mis en évidence le rôle des microbes dans les maladies infectieuses. On eût montré l'existence des agents filtrants, ce qu'on devait appeler plus tard les virus. On eût démontré la possibilité de vaccins, mais dans des conditions probablement fort différentes, de manière plus morcelée, dans un temps plus long, faisant intervenir de nombreux chercheurs dans de nombreux pays. C'est à la tribune de l'Académie des sciences que Pasteur défendait ses idées et combattait celles de ses ennemis avec vivacité. Comme il le dit lui-même, « Si j'ai parfois troublé le calme de nos académies par des discussions un peu vives, c'est que je défendais passionnément la vérité. » Je vous remercie. Je remercie le professeur Jacob. La parole est à monsieur Michel Zinc, vice-président de l'Assemblée des professeurs du Collège de France, délégué de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, pour la lecture de son discours « Prouesse du fort, courage du faible ». Pendant la sanglante bataille d'Aliscamp, Guillaume d'Orange, qui tente de contenir avec une poignée d'hommes le déferlement des armées ennemies, trouve son neveu, le jeune Vivien, agonisant sous un arbre. Il l'entend en confession et le communie avec du pain béni qu'il garde dans son aumônière. À l'instant de la mort, l'enfant ne s'accuse que d'un seul péché.
Vivien dit, quelque chose me tourmente. Le premier jour où j'ai porté les armes, j'ai fait serment à Dieu, mes pères en furent témoins, qu'on ne me verrait pas reculer au combat de la longueur d'une lance. Telle était la mesure que je m'étais fixée. On me trouverait sur place, mort ou vif. Mais aujourd'hui, ils m'ont fait reculer, je ne sais sur quelle distance, je ne peux la mesurer, je crains qu'ils m'aient fait manquer à mon vœu. Illustration extrême de la vaillance chevaleresque dans cette vieille chanson de geste. Extrême, mais non simpliste, Vivien n'est pas un lâche parce que dans le premier choc de la bataille, la simple pression physique de l'ennemi l'a fait reculer, aussi bien n'est-ce pas le fait lui-même qu'il se reproche. C'est le manquement à son vœu. Le courage est dans la fidélité. Tout de même, il y a cette mesure du courage, la longueur d'une lance. L'aune du courage est concrète. Il faut l'avoir mesurée, éprouvée soi-même, face au danger et à la peur. Cette épreuve me manque, à la différence des orateurs qui m'encadrent et de celui que cette séance veut honorer. Cette épreuve me manque et je devrais me taire si je n'avais fait vœu d'aller, sans reculer d'une lance ou d'une ligne, jusqu'au bout de mon discours. Je me réfugie donc dans le Moyen-Âge, qui paraît l'âge d'or du courage, une époque où l'idéal chevaleresque s'imposait avec tant d'évidence que la défense de Dieu et la conquête de la dame ne se concevaient que les armes à la main. Combien pourtant cette image convenue est mutilante et pauvre. Comment ne le serait-elle pas ? Dans l'ancienne langue, le mot « courage » ne veut pas dire « courage ». Le « courage », c'est ce qui emplit le cœur, ce qui vient du cœur, les sentiments, les dispositions d'esprit, d'où la volonté, d'où le courage. « Chanterai pour mon courage que je veuille réconforter, qu'avec mon grand damage ne quiert mourir, ne foller. Je chanterai pour réconforter mon cœur, autrement dit pour me donner du courage, afin de ne pas mourir ni devenir folle de douleur. » Ainsi commence la plainte d'une jeune femme dont l'ami est parti pour la croisade. Le courage, que finira par désigner le mot courage, c'est donc d'abord le courage moral. Le courage physique, l'intrépidité au combat, c'est le vacelage. Folie n'est pas vacelage, dit un proverbe. Témérité inconsidérée n'est pas courage. Le vacelage, qualité première du vassal, c'est-à-dire du chevalier, sans référence à la subordination féodale, c'est la vaillance efficace, la prouesse. Courageux se dit preux. Mais preux et prouesse viennent de prodesser, être utile. Être preux, c'est être de bon service. Le mot implique donc lui aussi une valeur morale qui dépasse le pur courage physique, qui le supplante même dans le composé prud'homme. Prud'homme. Saint Louis disait que le mot prud'homme est si beau qu'il emplit la bouche, et aussi qu'un prud'homme vaut mieux qu'un dévot, car un prud'homme, c'est un homme de bien, à la vertu équilibrée, un honnête homme au sens du français classique. Un honnête homme. En latin médiéval, preux se dit probus et prues probitas, les mots qui en latin classique signifient honnête et honnêteté, cette fois au sens moderne. Être preux, c'est être probe. Parce que face au danger, on ne peut mentir ni à soi-même ni aux autres, mais plus encore, parce que le courage, c'est de faire honnêtement ce qu'on doit faire. Être courageux, c'est ne mentir ni à soi ni aux autres. Être courageux, ce peut donc être avouer que le courage est difficile. Devant ces moines réunis au chapitre, saint Bernard commente verset après verset le Cantique des Cantiques. Soudain, il s'interrompt pour parler de la mort toute récente de son frère Gérard. Qu'ai-je à faire de ce cantique, moi qui suis dans l'amertume? La brûlure du chagrin brouille mon attention. Il faut que sorte ce que je souffre au-dedans de moi, que s'ouvrent les écluses de ma pauvre tête, que jaillisse l'eau des fontaines. Oui, continue-t-il, je souffre, j'aimais Gérard, on me reprochera un attachement trop humain, on me dira que cet amour n'est pas assez désincarné. Je cite encore, je ne nie pas qu'il soit humain, comme je ne nie pas être homme,
je l'avoue, j'ai horriblement peur de la mort, de la mienne et de celle des miens. Le courage est dans l'aveu de la faiblesse. Et cet aveu, dans les intervalles du texte que je ne cite pas ici, Bernard le transfigure en profession de foi. Au soir de la bataille de Mansoura, Saint-Louis, au témoignage de Joinville, demande au prévôt de l'hôpital si on a des nouvelles de son frère Robert, comte d'Artois, qui s'était imprudemment lancé à la poursuite des ennemis. Folie n'est pas vasselage. Je cite Joinville. Le prévôt lui dit qu'il en avait des nouvelles certaines et que son frère, le comte d'Artois, était au paradis. Ah, si, réconfortez-vous, jamais roi de France n'a connu honneur aussi grand que le vôtre aujourd'hui. Car pour combattre vos ennemis, vous avez passé une rivière à la nage, vous les avez battus, vous avez pris leurs engins et leurs tentes, vous y coucherez cette nuit même. Le roi répondit que Dieu fut adoré pour les dons qu'il lui faisait, et les larmes lui tombaient des yeux, très grosses. Le roi a le courage d'une action de grâce, malgré son chagrin. Mais il a aussi le courage de savoir que son chagrin ne nuit pas à son action de grâce et de ne pas chercher, par convenance, à le cacher. Être courageux, probus au sens médiéval, c'est donc être probus au sens classique. Ne pas donner le change, faire honnêtement ce qu'on a à faire jusqu'au bout. C'est pourquoi il n'y a pas de courage sans abnégation. Là est peut-être le secret de Roland. Car il y a un secret de Roland. Il y a dans la chanson de Roland, dans ce vieux poème si connu, si simple, d'apparence si limpide, un mystère. Il y a, en jouant sur les mots, un mystère de la passion de Roland. Le poème l'exalte sans la moindre restriction, comme un héros et comme un saint. Une tempête se déchaîne à l'heure de sa mort, comme à celle de la mort du Christ. Dieu envoie l'ange Gabriel recueillir son âme. Pourtant, dans la querelle qu'il oppose à Olivier, comment ne pas lui donner tort? Comment même ne pas le juger responsable du désastre? Dès l'instant qu'ils ont aperçu l'immense armée sarrasine qui fondait sur eux, Olivier a demandé à Roland de sonner l'olifant pour appeler Charlemagne et le gros de l'armée à la rescousse. Roland a refusé. L'arrière-garde se battra seul et sans aide. Plus tard, quand surgit la deuxième vague des ennemis, quand il devient clair qu'ils sont tombés dans un piège et que la mort les attend tous, Roland déclare que maintenant, il va sonner du cor. Olivier s'y oppose violemment. Il est désormais trop tard. Ça ne les sauverait pas. Ce ne serait qu'une lâcheté inutile. On a cherché la clé du comportement des deux héros. Dans le vers, Roland est preux et Olivier est sage. Mais nous l'avons vu, la prouesse inclut la sagesse. En vérité, celui qui, mieux que les savants et les critiques, a compris Roland, c'est Ganelon. Roland, qu'il a traîtreusement désigné pour commander l'arrière-garde, déclare alors que, lui vivant, Charlemagne n'y perdra rien, pas un homme, pas un cheval, pas un mulet. Je cite, Ganelon répond, « Vous dites vrai, je le sais bien. » Bien sûr qu'il le sait. Tout son plan repose sur la conviction que Roland se fera tuer sur place pour remplir à la lettre la mission de l'arrière-garde. Il n'appellera pas au secours, ce qui engagerait pour l'armée entière des pertes que seule l'arrière-garde doit supporter. Et de fait, l'arrière-garde sera massacrée, mais victorieuse, les Sarrasins défaits, l'armée épargnée. Tout au long du poème, Ganelon cherche à faire passer Roland pour une tête brûlée, et il y a réussi jusqu'à aujourd'hui. Mais il sait bien que Roland est un scrupuleux, qui a le scrupule du courage, probus. Et c'est son scrupule qui le pousse à sonner du cor quand il est trop tard, parce qu'il faut bien tout de même que l'empereur soit informé, que les morts reçoivent une sépulture, qu'ils soient vengés. Lui-même ne meurt pas des blessures reçues au combat, mais de celles qu'il s'inflige en sonnant l'olifant jusqu'à ce que ses veines éclatent. Le comte Roland a la bouche sanglante, de son cerveau rompu en est la tempe. L'olifant sonne à douleur et à peine. Charles l'écoute et les Français l'entendent. Et le roi dit, ce corps a longue haleine. Ducnem répond, un baron y prend peine. Vous entendez bien que Roland se lamente. Oui, Roland se lamente, mais ce n'est pas un appel au secours, c'est une sonnerie aux morts. Notre premier héros national est, comme tant d'autres après lui, un héros sacrificiel. Le sacrifice est un courage qui prend l'apparence de la faiblesse
et de la défaite. Plus que l'apparence, il est une faiblesse acceptée. Le Moyen-Âge est trop pénétré d'esprit chrétien. Il a trop médité sur la passion du Christ pour ne pas le comprendre profondément et pour ne pas savoir que la véritable force est celle du faible. Saint Bernard et Saint Louis nous l'ont donné à entendre. Tel conte montre le fou de Dieu se rendant de son plein gré, tout pareil à un vrai fou, nu, les cheveux tondus en croix, courant par les rues, poursuivi par une meute d'enfants et de misérables qui le hue, le frappe, lui jette des ordures. Car le plus grand courage est d'accepter l'humiliation. L'indispensable courage au combat n'est en soi ni la perfection suprême, ni même le dernier mot de la vertu chevaleresque. Pour retrouver et sauver la reine Guenièvre, Lancelot affronte des adversaires redoutables. Il franchit le pont de l'épée, agrippé de ses mains et de ses pieds nus à la lame tranchante, tandis qu'au-dessous gronde l'onde traîtresse, roide et bruyante, noire et épaisse. Mais son exploit éponyme, celui qui lui confère sa vraie grandeur, est d'une toute autre nature. Il est de monter dans une charrette sur la promesse qu'elle le conduira jusqu'à la reine, alors qu'en ce temps-là, explique le poète, les charrettes ne servaient qu'au transport des condamnés et qu'il était infamant pour un chevalier d'y prendre place. Par amour pour la reine, Lancelot accepte de devenir le chevalier de la charrette et d'être à ce titre déshonoré avant de transformer ce déshonneur en gloire. On sait que quand il aura libéré Guenièvre, après avoir risqué 1000 morts, elle le recevra très mal, lui reprochant non pas d'être monté dans la charrette, mais d'avoir hésité le temps de faire 3 pas avant de lui sacrifier son honneur. Mais elle a compris de quoi il est capable. Et plus tard, quand elle soupçonne que le chevalier inconnu qui se couvre de gloire au tournoi pourrait bien être Lancelot, elle envoie pour s'en assurer sa suivante, lui glisser de sa part de faire « aux nodes » du pire qu'il pourra. Et aussitôt, ce merveilleux chevalier se ridiculise par sa maladresse et sa lâcheté. Il s'attire colibés et hués. C'est donc bien lui. Il suffit alors, à la suivante, d'aller lui intimer l'ordre de la reine de faire au mieux pour qu'il remporte le tournoi avec aisance. À l'heure où le bon combat exigeait la dissimulation et où, pour garder l'honneur, il fallait le courage d'affronter l'apparence du déshonneur. Un poète qui n'avait pas que des qualités, mais qui avait celle de connaître très bien la poésie médiévale et qui a cherché un ressourcement national au cœur de notre drame. Ce poète s'est souvenu du roman de Chrétien de Troyes. « Je suis ce chevalier qu'on dit de la charrette, qui, si l'amour le mène, ignore ce qu'il craint, et devant tous s'assit parmi les malandrins, comme choisi mourir Jésus de Nazareth. Sortir nu dans la pluie et craindre le beau temps, si je suis le plus fort, le plus faible paraître, me tenir à côté de l'étrier du traître et feindre la folie, ainsi que fit Tristan. Tout est dit dans ces vers d'Aragon, certes un peu rondement sonore. L'humiliation acceptée, à laquelle n'est pas aberrant de donner une coloration christique, car le rapprochement entre Lancelot et le Christ se trouve déjà au Moyen-Âge. La dissimulation, la maîtrise de soi qu'elle suppose, les contradictions qu'elle impose, chanter dans la tempête et pleurer par beau temps, est dans les croyances médiévales un trait de la sirène et de l'homme sauvage. Tristan, déguisé en fou, feignant la folie, et fin la folie est dans un autre poème d'Aragon, un des noms qu'énumère le conscrit aux 100 villages. Tristan endure sans broncher les sarcasmes du roi Marc et multiplie les propos à double entente qui le feront reconnaître de la seule Iseute. On me reprochera d'avoir gauché la conception médiévale du courage. La tête toute bruissante du continuel fracas des armes, le lecteur des chansons de gestes, des romans de chevalerie, des chroniques, entend l'éloge constant de la pure vaillance, de la force physique, de la gloire qui va aux victorieux. Même les quêteurs du Graal, en marche vers la chevalerie spirituelle et la révélation de mystères sacrés, taillent leur route à coups d'épée et n'ajoutent au pur courage militaire que celui, il est vrai considérable, de la chasteté. Et pourtant, à en croire ces romans, la lignée des gardiens du Graal remonte à Joseph d'Arimathie, celui-là même qui, dit l'évangile de Marc, eut le courage d'aller trouver Pilate et de lui réclamer le corps de Jésus.
celui qui a eu le simple et admirable courage de présenter une requête embarrassante sans se laisser arrêter par le respect humain. Au contraire de Pierre, qui a eu le courage de tirer l'épée pour défendre son maître, mais non celui d'affronter la désapprobation d'une servante. Après tout, nous avons le droit de choisir parmi les leçons que le passé nous donne. La force du faible, le courage d'affronter l'opprobre, il n'est rien de plus difficile, rien de plus rare à toutes les époques. Si épris qu'il ait été de l'éclat et de la gloire, le Moyen-Âge en a connu et médité le sens. L'Évangile ne lui permettait pas de l'ignorer. Il a nourri de cette méditation sa pensée morale comme ses chefs-d'œuvre poétiques. C'est par là qu'il nous touche, nous, à qui les héros de notre temps ont enseigné que le vrai courage est dans la résistance. Je remercie M. Michel Zinc. Avant de donner la parole à M. Maurice Druon, nous entendrons les chœurs de la Légion étrangère interpréter le chant de la 13e demi-brigade de la Légion étrangère. Je remercie la Légion étrangère. La parole est à M. Maurice Druon, compagnon de toujours de Pierre Messmer, délégué de l'Académie française, pour la lecture de son discours « Le courage et l'exemple ». Si nous avons choisi le courage comme thème commun aux communications des cinq académies, en cette solennelle séance de rentrée, c'est avec une intention bien précise, celle de rendre hommage à un homme qui, outre les services exceptionnels qu'il a rendus à notre institution, aura incarné cette vertu dans les situations les plus diverses et avec le plus d'éclat parmi nos contemporains. Pierre Messmer, notre chancelier, a pendant 7 ans dirigé l'Institut de France, et cela d'une manière qui restera inoubliée en renforçant sa situation dans l'État et en multipliant par 30, je dis bien par 30, sa fortune immobilière.
Il nous a fait part de son souhait de ne pas voir renouveler son mandat à partir du 31 décembre prochain. Il faut reconnaître qu'il va entrer bientôt dans le nonagénat et qu'il a largement gagné le droit de se consacrer à ses penchants personnels. Nous lui exprimons une gratitude unanime. Mais avant de faire bénéficier l'Institut de son autorité, de son expérience politique et de ses talents d'administrateur, quelle destinée n'avait-il pas parcouru? Alors, pardonnez-moi, Pierre, c'est pour vous, je le sais, un mauvais moment à passer. Je connais votre horreur des compliments et des louanges. Vous avez dit un jour, avec un humour gaullien, « Je n'aime pas les coups d'encensoir, cela fait mal à la tête. » Mais vous ne pouvez empêcher qu'on reconnaisse et célèbre en vous le très grand Français que vous êtes. Le pays a besoin d'exemples et les hommes qui en fournissent sont rares. Vous êtes l'un d'eux, alors acceptez de subir ce rappel de ce que vous fîtes et de noble et de grand. Votre aventure commence le 17 juin 1940, quand le jeune lieutenant que vous êtes, docteur en droit déjà, diplômé de l'École des langues orientales et élève administrateur des colonies, entend le dernier maréchal de France annoncer à la radio que nos armées doivent cesser le combat. Cela ne fait pas votre affaire, pas plus qu'à votre ami Jean Simon, lieutenant aussi, qui, comme vous, accomplit un stage d'observation aérienne dans une ville de l'Ouest. Comment peut-on déposer les armes alors que vous ne vous êtes pas encore battu? Il y a quelque chose là d'insultant, d'humiliant. On vous a donc compté pour rien. J'ai connu cette indignation-là. Et pensant que la lutte va se poursuivre hors de la métropole, votre ami Simon et vous, sans rien demander à personne, parce que personne dans la débandade ne semble d'ailleurs prêt à vous répondre, vous sautez sur une motocyclette et vous foncez sur le sud, sur les routes de la débâcle. Cette nuit-là, le général de Gaulle méditait les paroles qu'il prononcerait le lendemain à la radio de Londres. « Vous n'êtes pas un engagé du 18 juin, mais du 17 ». Sur Z, sur votre moto roulant dans la nuit, l'avant-garde du refus. Vous arrivez à Marseille. Naturellement, aucune troupe n'embarque. Impossible de trouver un passage, même clandestin. Pour subsister, vous et votre ami Simon, vous vous embauchez comme docker. Vous allez bientôt avoir maille à partir avec le syndicat CGT, qui vous reproche de donner le mauvais exemple en travaillant à une trop forte cadence. Et puis, vous dénichez un cargo italien saisi avant l'armistice par la marine française, qui est empli d'armements et d'avions en pièces détachées et qui doit être dirigé vers Oran. Vous montez à bord, vous vous abouchez avec le commandant et organiser une mutinerie. Vous dérouterez le bateau sur Gibraltar, vous gagnerez Londres, et ainsi vous ferez cadeau au général de Gaulle en vous engageant dans son embryon d'armée, du bâtiment et de son chargement, dont la vente assurera 3 mois d'existence à la France libre. Pour vous remercier, de Gaulle vous dira
C'est bien, Mesmer. Et vous témoignera sa reconnaissance en vous offrant de choisir l'arme dans laquelle vous voudrez servir. Vous lui répondez la Légion étrangère. Pourquoi ce choix ? Vous me l'avez dit un jour, parce que je voulais faire la guerre avec des gens sérieux. Pour le sérieux, comme passe l'expression, vous allez être servi. La 13e demi-brigade de la Légion, qui revenait de Narvik en Norvège, était, avec quelques bâtiments de la marine, l'une des très rares unités à avoir refusé d'être rapatriée dans une France vaincue et à former le premier noyau des Free French. Dès lors, quel parcours ! Érythrée, Palestine, Syrie. Dès 41, vous aviez, avec votre section enlevée à la mitraillette et à la grenade, trois positions ennemies, fait 66 prisonniers, reçu deux citations et à l'ordre de l'armée, et à l'ordre du corps d'armée, puis de l'armée, et vous aviez été fait compagnon de la libération, un des tout premiers. De parmi ceux qui vous ont rejoint dans cette chevalerie, la Providence fait qu'il en 60 ans après la fin des combats, il en reste assez pour garnir ici plusieurs de nos rangs. J'ai vu Pierre à l'instant, quand on chantait le chant de la 13e demi-brigade, un regard de tendresse dans vos yeux, une douceur qui n'y apparaît que dans les vrais grands moments d'émotion. C'est comme capitaine que vous vous illustrez à Bir Hakeim, cette bataille qui rend à la France son honneur militaire et dont le nom entre dans la légende. Trois mois après, c'était l'Alamein. La citation qui vous est décernée par le général de Gaulle lui-même est ainsi rédigée. Magnifique officier de Légion, calme dans les pires moments, tête froide, très courageux, dans la nuit du 23 au 24 octobre 1942, a entraîné sa compagnie à l'assaut de la position solidement organisée de Nakkala, malgré des pertes sévères, a enlevé son objectif dans le minimum de temps, infligeant de lourdes pertes à l'ennemi, contre-attaqué par des chars et des blindés, a décroché sur ordre et au dernier moment. Parmi les diverses formes que revêt le courage, nous pouvons, grâce à vous, donner place au courage militaire. Vous-même avez une étrange manière d'en parler. « Mon nom, m'avez-vous dit un jour, ce n'était pas du courage, c'était de l'orgueil. À la Légion, nous voulions être les meilleurs. Alors, quand on veut être les meilleurs, ben, il faut bien engager sa vie. » Vous fûtes après la Libye. Chef d'état-major adjoint du général Koenig, à la Libération, vous étiez fait officier de la Légion d'honneur. Le mot qui vous désigne alors, quand on parle de vous, est celui d'héroïsme sans faille. Le moins étonnant n'est pas que dans tous les combats que vous avez livrés, vous n'ayez pas récolté la moindre écorchure. Autour de vous, on tombe, on s'écroule, on est blessé, on meurt, et vous, impavide, rien. Vous aviez reçu sur votre front une goutte d'or, celle qui permet à l'homme promis à un grand destin de traverser toutes les épreuves. Oh, vous alliez en connaître d'autres. En Asie, où membre du corps expéditionnaire d'Extrême-Orient, après avoir rendu d'exceptionnels services aux Indes encore françaises, vous êtes parachuté en août 45 sur l'Indochine. Fait prisonnier par les Viets,
vous subissez l'internement. L'exploit n'est pas d'avoir survécu, c'est de vous être évadé et d'avoir réussi à traverser seul une région particulièrement hostile et de surcroît presque entièrement inondée. Tête froide, oui, mais résistance physique hors pair et volonté acharnée. Démobilisé, vous acceptez de repartir pour l'Indochine comme directeur de cabinet du haut-commissaire, puis vous revenez à votre carrière initiale, celle d'administrateur de la France d'outre-mer. Mais voici donc venu le temps du courage civil, mais dans des fonctions qui réclament souvent les vertus militaires. Car il y faut le sens du commandement et la capacité de décision, sans pouvoir attendre d'être couvert par des instructions qui viennent de trop loin et trop tard ou qui n'arrivent jamais. Gouverneur de la Mauritanie, puis de la Côte d'Ivoire, haut commissaire au Cameroun, haut commissaire de l'Afrique équatoriale et enfin haut commissaire, autant dire vice-roi, de l'Afrique occidentale française. Vous saurez avec habileté appliquer la nécessaire politique de décolonisation du général de Gaulle et présider à l'entrée dans l'indépendance de ces vastes et plus anciennes parties de notre empire. Il y a quelque chose de commun entre vous et l'amiral Baumbaten aux Indes. Vous saurez amener le drapeau avec autant de dignité que vous aurez mis d'ardeur à le défendre. Parmi toutes les lames de l'éventail du courage, vous en aviez une encore à déployer, celle du courage politique. Ce n'est pas sa forme la plus courante. J'osais me dire que c'est la plus rare. Combien d'hommes ai-je connus qui firent preuve de courage physique et se montrèrent timorés ou passifs dans l'action politique. Ce n'est pas sans raison que de Gaulle vous appelle au ministère des Armées. Vous serez celui qui, dans notre histoire, restera le plus longtemps cette fonction depuis Louvois. La période n'était pas facile. Vous eûtes à gérer deux gravissimes affaires, la guerre d'Algérie et la mise en place de la stratégie nucléaire. Pour la première, qui était liquidation du passé, vous n'aviez pas le commandement des opérations, mais vous aviez à maintenir les armées en état de faire face à la situation. Nul besoin d'épiloguer, nous avons tous en mémoire cette période dramatique où non seulement Algériens et Français se combattaient, mais où des Français s'opposaient à d'autres Français par des conceptions antagonistes de leurs devoirs. Vous avez vécu des heures à tous égards douloureuses. La deuxième grande affaire fut de doter la France de l'arme atomique pour la mettre en état d'affronter l'avenir. Les difficultés techniques n'étaient pas les seules à surmonter. Que d'opposition au projet. La gauche parlementaire, anti-gaulliste par principe, qui ne comprenait pas qu'il s'agissait de maintenir la France au rang des grandes puissances. Les écologistes, qui se comportaient en aveugle bel an. Les savants pacifistes, les plus dommageables peut-être, qui refusaient de mettre leur savoir au service du pays. Puis enfin, l'opinion internationale, conditionnée par les anglo-saxons. Voilà beaucoup de monde qui se montrait hostile à votre entreprise. De Gaulle tint bon. Et nous, et vous aussi en l'occasion. Et vous alliez payer une fois de plus de votre personne
au sens propre du terme, ayant quelques doutes sur le fonctionnement du commissariat à l'énergie atomique, vous avez décidé d'aller assister à l'un des premiers essais d'explosion souterraine au Sahara. Et vos doutes furent dramatiquement justifiés, car au lieu que l'explosion reste à contenu dans le sous-sol, une immense flamme rouge jaillit, une lance de feu qui se dirigea vers votre poste d'observation, suivi d'un énorme nuage noir radioactif qui vous enveloppa. Quand on vous retira votre combinaison de protection, on fut incapable de mesurer l'irradiation que vous aviez subie. Ces miracles que vous n'en ayez connu aucune séquelle, l'accident, lui, resta bien enfoui jusqu'à ce jour dans le secret défense. Il vous restait une dernière épreuve à traverser, celle d'être Premier ministre. Je dis bien épreuve, car si cette fonction, par l'ambiguïté de sa définition constitutionnelle, et des plus malaisées. Elle réclamait, au temps où vous l'avez occupée, une réelle abnégation. J'en puis témoigner, puisque j'eus l'honneur d'être votre ministre des Affaires culturelles. Georges Pompidou était malade. Et il devait abandonner une partie des affaires aux initiatives d'un entourage partagé entre les dévoués et les calculateurs, entre ceux qui ne songeaient qu'à maintenir intacte l'image du pouvoir présidentiel et ceux qui ne pensaient qu'à organiser déjà les lendemains du départ de son détenteur. Je peux bien dire que je vous ai vu, là aussi, garder la tête froide. C'est dans cette difficile ambiance que vous avez su décider et mettre en place le réseau des centrales nucléaires de la France, appelé à produire 80% de notre énergie électrique. Cela comportait une réforme complète du programme de l'EDF. Cette œuvre capitale, vous l'avez menée dans la solitude, car comme pour la stratégie atomique, vous aviez contre vous les écologistes et tous les partis de gauche, mais en plus les pétroliers qui n'étaient pas sans influence ni puissance, et même certains des membres de votre majorité qui n'apercevaient pas la nécessité de l'entreprise. Or, c'était la seule réponse, l'avenir l'a prouvé, à la grande première crise du pétrole de 1974, dont Georges Pompidou, lucide, nous avait dit, je m'en souviens en Conseil des ministres, qu'elle aurait de très graves et très longues conséquences. Comme vous n'êtes guère enclin à faire état de vos succès, nul ne vous en a témoigné une particulière reconnaissance. Ce fut un grand malheur que la mort de l'homme d'État qui avait rendu au pays justement sa prospérité. Et je m'incline devant vous, madame, en pensant à ce grand homme et ce grand ami. Pour succéder à Georges Pompidou, bien des regards se tournèrent vers vous, certains par bon sens et d'autres par résignation. Mais vous fîtes la montre de noblesse d'âme en refusant d'entrer en compétition avec un autre compagnon de la Libération qui s'était déjà porté candidat. Je ne cache pas d'être de ceux qui en gardent un regret persévérant. La République gaullienne, avec vous, fut restée dans sa voie droite. Expert,
non comme théoricien, mais par la pratique, et en morale et en politique. Il était naturel que vous fussiez appelé par l'Académie qui traite de ces deux aspects de l'humanisme. Toutes les académies, comme animées d'un mouvement sinusoïdal, connaissent des périodes brillantes et d'autres de moindre éclat. C'est une de ces dernières que traversait cette compagnie. Afin de la remettre en état de produire plus de lumière, ce fut vers vous que vos confrères se tournèrent pour occuper le siège de secrétaire perpétuel. Vous n'avez jamais repoussé un appel à servir, vous ne l'avez pas repoussé davantage lorsque l'Institut tout entier, se trouvant sans chancelier, vous demanda de prendre en main les rênes de l'attelage des cinq académies qui rassemblent toutes les expressions du génie français. La fonction demande expérience, diplomatie, connaissance de la gestion budgétaire, autorité sur l'administration interne comme auprès des pouvoirs publics. Vous vous y êtes consacré à plein temps. J'ai dit combien, plus haut combien l'Institut, donc la France, vous était redevable. L'âge n'avait diminué ni votre puissance de travail, ni votre imagination. Sous votre conduite, le Palais des Quatre Nations a fonctionné dans un ordre parfait. Mais pourquoi, pendant ces 7 ans, les mécènes ont-ils afflué vers vous? Eh bien, c'est parce que, de même que vous avez traversé les combats sans aucune blessure, de même, au long d'une carrière politique où vous avez exercé tous les mandats, député, maire, conseiller général, ministre, aucun bruit, aucune rumeur, aucun souffle, ne disons pas même de scandale, mais seulement de favoritisme ou de complaisance ne vous a effleuré. Votre rigueur courtoise inspire confiance. L'Académie française a toujours réservé quelques-uns de ses sièges à de grands militaires et de grands hommes d'État. Par plusieurs ouvrages de mémoire, dont le titre de l'un, après tant de batailles, vous résume et restera célèbre, vous nous avez montré que vous ne manquiez pas de plumes. Le grand cordon de la Légion d'honneur venait de barrer votre poitrine quand nous vous avons élu sans peine au premier tour. Chacun chez nous incarne l'une des formes de l'art littéraire, l'une des tendances intellectuelles, philosophiques, scientifiques, politiques de l'époque, l'une des principales activités ou disciplines de l'esprit. L'Académie française, c'est comme une grande façade où doivent apparaître aux fenêtres de grandes figures du pays. Il était juste, il était nécessaire que vous y apparaissiez afin d'y être l'image d'une disposition de l'âme sans laquelle toutes autres vertus seraient inopérantes. Pierre Messmer, le courage. J'appelle notre confrère, le sculpteur Jean Cardot, que vous avez entendu avec enchantement. J'appelle Madame André Bettencourt, mécène, à venir dévoiler le buste que l'Institut offre à Monsieur Pierre Messmer. Et je demande au modèle de bien vouloir se rapprocher de son effigie.
Madame. Madame. Jean Cardot est vraiment un bon sculpteur parce que le bronze qui est son œuvre est mieux que le modèle. Et maintenant, s'il vous plaît, sonneur, la mesmer.
toi qui, sur les chemins encombrés de malheur, su cacher ton chagrin sous ton jeune courage. Toi qui, quand l'abandon saisissait les vieux sages, te mis en marche seul, conduit par ton ardeur. Jamais tu n'as changé depuis de trajectoire, compagnon des plus grands, exemple des plus forts, ton labeur, ta rigueur ont modelé ton sort, toujours au premier rang de notre fraîche histoire. Toi qui as traversé tous les champs de bataille, les déserts, les moussons, le feu et la mitraille. Tu n'as jamais fléchi, jamais désespéré, légionnaire habité de ton devoir sacré. Tout cela t'a paru normal et naturel, oublieux de toi-même et n'aimant que servir. Homme de cœur, toujours pensant à l'avenir, du français des hauteurs, tu restes le modèle. Je remercie les sonneurs et les chanteurs et le chanteur du Conservatoire de musique de chasse. Sa Sainteté le pape Benoît XVI, premier souverain pontife à appartenir à l'Institut de France, a souhaité s'associer à cette séance solennelle en demandant à notre confrère, le cardinal, monsieur le cardinal Roger Etchegaray, de lire un témoignage de confraternité. À Son Excellence, Monsieur Pierre Messmer, chancelier de l'Institut, membre de l'Académie française et de l'Académie des sciences morales et politiques. À l'heure où l'Institut de France célèbre le bicentenaire de son installation dans les bâtiments de l'ancien collège des quatre nations, et en ce jour mémorable où vous êtes honorés par vos pairs des différentes académies, en présence des plus hautes autorités de l'État, je suis particulièrement heureux de m'unir à vous et à la noble assemblée qui vous entoure, me souvenant avec émotion du jour où j'ai été accueilli au sein de l'Académie des sciences morales et politiques en qualité de membre associé au siège du grand scientifique que fut Andrei Dmitrievitch Sakharov. Il m'est agréable de saluer en vous avec respect le combattant de la liberté dans les heures sombres de la Deuxième Guerre mondiale, l'homme de conviction et le serviteur de l'État dans la gestion de la res publica. La séance solennelle de l'Institut de France, qui se tient aujourd'hui sous la coupole, permettra aux académiciens
de réfléchir sur la vertu de courage qui associe force, lucidité et détermination pour tracer un sillon assuré au milieu des difficultés de ce monde. Si le courage est nécessaire dans la vie personnelle, il l'est d'une manière toute spéciale dans l'exercice de responsabilités politiques et publiques au service de l'intérêt général, qui n'est pas nécessairement déterminé par la voix du plus fort ou par la majorité. En effet, le courage consiste à lutter contre vent et marée pour l'homme, pour sa dignité et sa valeur intrinsèque, pour sa liberté ainsi que pour le bien commun, en servant ses frères là où l'on est appelé et en accomplissant son devoir d'État avec amour et avec fidélité. La démarche de chacun doit se situer dans une perspective éthique qui, loin d'obéir au bon plaisir, rend compte de la vérité, le progrès véritable qui est avant tout progrès de l'homme et pour l'homme ne peut se limiter à un mieux-être économique. Les personnes appelées à servir leurs concitoyens sont invitées à être des veilleurs courageux dans le peuple pour que ne s'éteigne jamais la flamme de l'espérance, que les droits de l'homme soient reconnus à tout être et particulièrement aux plus faibles et aux plus fragiles, que les valeurs morales et spirituelles soient promues, que la famille soit aidée dans sa mission d'éducation des générations à venir. Dans cet esprit, je prie le Seigneur pour que tous les hommes de bonne volonté aient sans cesse le courage de s'engager sur la voie de la solidarité, de la fraternité et de la paix, édifiant une société où il fait bon vivre. Formant des vœux pour votre personne, Monsieur le Premier ministre, tout particulièrement à l'occasion de votre 90e anniversaire, j'invoque sur vous, sur les académiciens, sur les hautes personnalités et sur toutes les personnes présentes à cette séance inaugurale des académies, les bénédictions du Tout-Puissant. Du Vatican, le 13 octobre 2005, Benedictus Papa Decimus Sextus. Monseigneur Etchegaray, le Président de la République, haut protecteur de l'Institut et de nos académies, a tenu à s'associer à cette cérémonie solennelle en demandant à Madame Hélène Carrère d'Ancos, secrétaire perpétuelle de l'Académie française, de lire un message. La parole est à Madame Carrère d'Ancos. Ceci est le message du Président de la République. Cher Pierre Messmer, votre vie est un destin qui fait corps avec l'histoire de notre pays. Accomplir l'idée que vous vous faisiez de la France, cette ambition a guidé votre existence, une vie d'honneur et d'exigence, une vie d'engagement, d'où toute facilité, toute concession furent bannies. La guerre, au lendemain de vos 20 ans, révèle en vous le soldat, le combattant, un homme pétri de courage physique et prompt à la décision. L'odyssée du cargo Cap-Holm menée brillamment aux côtés du lieutenant Jean Simon écrit l'une des pages les plus glorieuses de ce mois de juin 1940, le 17,
du cœur de l'Auvergne, d'un même élan, vous refusant à la défaite, n'acceptant pas de cesser le combat, vous ralliez Marseille puis Londres, scellant les 6 années qui suivirent sur les champs de bataille pour que flotte haut l'honneur de votre pays et de son drapeau. Plutôt que les ordres des chefs, vous avez écouté les mouvements de votre cœur, l'appel impérieux de l'honneur. Vous dirigez vos hommes sur la terre d'Afrique, vous promettant de rendre à votre patrie et à sa capitale sa liberté perdue. Du Sénégal au Gabon, de l'Érythrée à la Palestine, de la Syrie à la Tunisie, vous combattez en première ligne, partout, l'enfer de Bir Hakeim, le déluge de feu d'El Alamein, la gloire de la 13e demi-brigade de la Légion étrangère seront les vôtres. Vous êtes compagnons de la libération dès juin 1941. Affecté à l'état-major du général Koenig, vous débarquez en Normandie. Vous pénétrez enfin dans Paris en ce 25 août 1944 mémorable, communiant dans une même ferveur avec le peuple de la capitale dans l'indépendance retrouvée. Le combat ne s'achèvera qu'un an plus tard aux confins du Tonkin. Les armes s'étant tues, vous endossez les habits du bâtisseur, bâtisseur des territoires de la France d'outre-mer, avec l'espoir que la France retrouve sa vocation libératrice sur ces terres lointaines. Un retour à votre vocation pour vous, le diplômé de l'École des langues orientales et de l'École nationale de la France d'outre-mer. Administrateur en Indochine, puis en Mauritanie, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, la tâche est immense en cette immédiate après-guerre. Les horizons à explorer, les déserts, les forêts équatoriales, les rivages de l'océan sont désormais votre quotidien. Vous percevez combien la guerre a modifié sans retour les rapports entre colonisés et colonisateurs. Haut commissaire en Afrique équatoriale française, puis en Afrique occidentale française, vous appliquez avec fidélité et compétence la politique de transition définie par le général de Gaulle, guidant les peuples de l'Afrique vers l'indépendance. Le général de Gaulle vous désigne alors une nouvelle mission, un nouveau combat. Au gouvernement, pendant 10 ans, votre mission sera d'assurer à la France les moyens de se défendre. Il y eut le drame algérien. Vous avez su maintenir l'unité de l'armée. Et vous savez le prix que cette crise a coûté à notre pays, à ses enfants, à ses citoyens, des deux côtés de la Méditerranée. Vous adaptez l'effort militaire aux mutations de la modernité avec la constitution de l'arsenal nucléaire. Puis, vous voici Premier ministre. J'ai eu l'honneur de faire partie de votre gouvernement. La tâche était exaltante et difficile. Moderniser le pays pour élever le niveau de vie de tous, réorganiser l'économie, assurer l'indépendance énergétique de la France en lançant le programme nucléaire civil. À la mort du président Pompidou, vous poursuiviez au Parlement pendant 20 ans plus une mission qu'une carrière, dans la fidélité à un homme, à une politique, à une ambition pour la France. Vous entrez alors à l'Institut de France. Loin d'y voir une consécration, l'aboutissement d'une carrière glorieuse au service de votre pays, vous puisez dans l'honneur qui vous est fait le ressort d'un nouvel élan. Votre autorité naturelle, votre dévouement exemplaire aux fonctions qui vous sont confiées, contribue puissamment au rayonnement de l'Institut de France. Sous votre impulsion, cette institution, qui est l'honneur de notre pays, est devenue l'un des plus grands mécènes de France. En attirant la générosité de tant d'hommes et de femmes, prêts à mettre leurs biens au service d'idéaux élevés, vous êtes parvenu à faire de l'Institut un partenaire privilégié des pouvoirs publics dans la construction de la France de demain, d'une France plus solidaire, d'une France qui innove et qui progresse, d'une France ouverte aux artistes et aux créateurs. Comme au fil de toute votre existence, c'est ce rêve exigeant d'une France plus grande que vous n'avez cessé de poursuivre ici, dans ce palais de l'Institut. Pour cet engagement d'une vie au service de la France, cher Pierre Messmer, recevez le témoignage de notre reconnaissance et de notre admiration. Recevez l'expression de la gratitude de vos amis et de tous les Français.
La séance est levée.